Montée des marches ou palais de théâtre de Cannes? Bah, montée des marches, rêve de gosse. Montée des marches, super fier de voir notre équipe avoir l'honneur de monter les marches, on était magnifiques. La montée des marches, c'est une chose que pas beaucoup de monde ont la possibilité de faire. Donc ça a été très bien, en plus on l'a fait deux fois. Le palais de théâtre, car c'est la classe. Montée des marches. Montée des marches parce que voilà, on n'a pas l'occasion quoi. Et là c'est la première fois. Montée des marches, on l'a fait qu'une fois dans sa vie, donc c'est cool. Ah, monter des marches, c'est magique, c'est voilà, fantastique. Okay. Mademoiselle ou Nice Guys? Mademoiselle, plus artistique quand même. Nice Guys. Mademoiselle, parce qu'il a fait réagir et j'aime bien quand les gens ils sont à vif comme ça. Voilà la polémique qu'il y avait à la sortie de Mademoiselle. The Nice Guys, c'est plus mon style de film. Nice Guys, Mademoiselle, c'est pas ma cam, pas du tout. The Nice Guys, ouais, c'est plus mon genre de film. Mademoiselle, c'est le sucre devient succulent, le sucre. Le fruit devient magnifique. Tour de France ou les vies de Thérèse? Ouais, Tour de France, même si j'ai pas trop suivi le film. Du coin de l'œil, il est mieux. Ouais. Tour de France, c'était un bon film avec Depardieu, c'était nickel. Tour de France, je pense que c'est un film qui peut nous servir dans nos métiers. Tour de France, car Gérard Depardieu, il joue super bien. Tour de France, un film français qui fait réfléchir et qui a pas mal... Tour de France. Tour de France, c'est ce pèlerinage que fait Gérard Depardieu pour peindre tous les ports de France. Voilà. Raman, regard avec 2.0 ou Happy Time Will Come Soon? Raman, même si de bon matin il faisait mal quand même. Mais ouais, il est mieux, je préfère les thrillers quand même. Ouais, le film indien. J'ai pas trop l'occasion d'en rader et là j'ai bien aimé. Le film indien, il était captivant et nous a embarqué dans une histoire. J'en suis pas encore sortie d'ailleurs. 8h30 du matin, beaucoup de meurtres, beaucoup de sang, beaucoup de violence, mais je me remets doucement. Roman Rave. Roman Regave 2.0, genre je préfère les films hindous. Ah ouais? Attends, je trouve pas la fin de ma phrase. Vas-y, recommence. Les films indiens avec pas mal d'action, c'était mieux. Ouais, le film indien était terrible. Raman, parce que la lumière qu'il avait dans les yeux quand tu... Les gens... C'est Gérard. La Croisette ou l'Hôtel? La Croisette, parce que c'est un grand boulevard, on pouvait rencontrer beaucoup de personnes. La Croisette. Parce que comme ça se prononce, on croise pas mal de beaux mondes. Ah ben... Là, c'est la grande question. Là, c'est la question piège. Est-ce que les deux sont possibles? Tu peux refaire? Je me suis préparé à la Croisette. La Croisette. On a eu l'occasion de faire des belles rencontres, des belles discussions avec des gens, des anonymes, tout ça. Bon état d'esprit, toi. Voilà. J'ai entendu qu'il y avait une Croisette à l'Hôtel, c'est vrai? Croisette à l'Hôtel qui a été possible grâce à Beg. La Croisette. Ouais, la plage, la Cannes, c'est nickel. La Croisette. La Croisette. La Croisette, c'est... Voilà, c'est grand, c'est... Voilà. Plage ou restaurant? La plage. Quand je regarde l'horizon, je pense à ma famille qui est de l'autre côté. Ah, la plage. Avoir un petit brin de nature là, dans tout ce, toute cette mouvance avec les voitures et tout ça qu'on a pu voir, ça faisait du bien aussi. Le resto. Parce que pas les mêmes plats ici, entre Lyon et Cannes, c'est pas les mêmes plats. La plage. Plage, on a eu l'occasion de se baigner pour certains. Ouais, plutôt la plage, pour Cannes. Ouais. Plage, c'est beau. Basket ou chaussures? Basket, en tant que sportif, basket. Chaussures, on est à Cannes, il faut avoir la classe. Éternellement basket, sincèrement. Chaussures, pour un minimum d'élégance. Chaussures, pour Cannes, c'est mieux. Chaussures. Basket, t'es mieux à l'intérieur, c'est confortable. Basket ou talon? Pour les femmes, talon, ouais. Pour les filles, talon. Et pour moi, basket. Ah bah je reste sur ma position, je préfère mettre des baskets, même avec une robe longue. Basket. Parce que pas de talons. Basket, pour les autres moments.
basket. Les talons, c'est pour les femmes. Basket, je viens de te dire.